Alors tout d'abord, je voulais vous remercier de m'avoir invité à participer au projet Her Story. Je m'appelle Marie-Claire Messoubamalambien, je suis artiste plasticienne. Je suis née en France, je suis française. À travers mon parcours, que ce soit en Côte d'Ivoire, en France, en Guadeloupe, en maternelle, en école primaire, supérieure, au collège, au lycée, en école des beaux-arts et dans la vie professionnelle. J'ai vécu ou été témoin d'assignations associées ou non à celles de la race, de la classe et envers ma pratique artistique. C'était des actes ou des remarques. En rapport avec mon physique, ma couleur de peau, ou alors le fait que je sois française. Et donc tous ces éléments dérangeaient, ou dérangent encore en ce moment. Et donc, c'est des choses qui arrivent comme ça par surprise, mais après, c'est pas des choses qui me perturbent dans le sens où je vis, enfin je vis, ça me rend pas malheureuse. Et donc je me dis que si des personnes réagissent comme ça envers moi, c'est parce que donc je suis différente, et je suis différente parce que l'autre l'a dit, parce que l'autre l'a décrété. Et donc ça aussi c'est intéressant parce que ça ramène à un très très lointain, et un essentiel de ce lointain est toujours présent au quotidien dans le monde contemporain. Donc voilà, il faut vivre avec. Après, ce sont des choses comme ça qui arrivent en réponse aux différents paramètres de la société, donc à une époque passée, une époque présente, aux différentes caractéristiques de l'époque passée, de l'époque présente, aux différents canons de beauté qui sont institués par les institutions, par telle ou telle personne, par des pays. Voilà, et pour moi, le mot qui fait sens par rapport à toutes ces questionnements, c'est le mot force. Et en fait, ça me fait penser à, enfin, ça me rappelle d'ailleurs l'exposition à laquelle je participe en ce moment. C'est une exposition personnelle qui se passe à la Goulburn Gallery à Londres, où certains aspects de ces questionnements sont présents dans mes travaux. Et en fait, je monte des travaux où je questionne la vêture, puisqu'il y a la vêture est présente dans mes travaux, le vêtement. Donc je questionne la vêture en relation avec le genre, le féminin, le masculin, en rapport ou non avec une contrainte. Et tous ces éléments, je les mets dans un espace, donc un espace de synthèse, où des éléments d'identité, de culture interagissent, se manifestent à travers l'espace, à travers le corps. Et tous ces éléments que je donne à voir sont pour moi des champs de force, d'où le nom de l'exposition, champ de force, force is field en anglais. Donc à travers mon travail, j'utilise le cheveu, qui est un élément de force pour moi. Pourquoi le cheveu? Parce que c'est un support de mémoire, il représente, il porte la caractéristique d'une personne, son identité, il parle, donc le cheveu ou le poil.
Donc, ils parlent de sensualité, de sexualité, ils parlent de l'homme, ils parlent de la femme. Il est peut-être une relique, c'est un élément enfin, qui porte l'aura, l'essence d'une personne, de son propriétaire, qu'elle soit vivante ou que ce soit un défunt. Les témoins de la vie, de la mort et tout ce qui se passe entre-temps. Et donc, le cheveu, tout comme les différentes caractéristiques d'une personne, que ce soit le cheveu, le poil, les taches de rousseur, la peau, etc., ce sont des champs de force que je peux exploiter à travers mon travail. Voilà, et donc pour revenir aux questions qui sont posées là, donc je me dis que si quelqu'un réagit comme ça envers moi, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne maîtrise pas, quelque chose de l'insaisissable qu'on ne peut ni avoir ni posséder, un certain champ de force, donc comme je dis, quelque chose dans ton apparence. Dans ce que tu représentes, dans ce que tu fais, dans ce que tu dis, à travers un moment, une histoire, un instant, à travers notre époque, à travers un environnement particulier, et ce quelque chose, il y a quelque chose qui vient déstabiliser l'autre et qui fait qu'il réagit de cette manière. Je pense aussi que si la personne, par exemple, ne sait pas quoi faire d'elle-même, elle regarde, elle porte un jugement sur les autres et elle peut sentir peut-être un sentiment de supériorité qu'elle peut essayer de, enfin, qu'elle essaie de justifier par différents actes ou différentes pensées. Voilà. Après, dans ma pratique artistique, ça m'est arrivé d'expliquer mon travail et qu'on me renvoie aussi à mon aspect physique, à mon physique. Après, c'est vrai que j'utilise certaines, dans mon travail, je pose certaines questions qui peuvent. Qui peuvent faire fuir ou qui peuvent. Ce sont pas des. Enfin. Qui sont pas très bien reçus. Par exemple, quand j'expose à l'international, enfin, par exemple, quand j'exposais à la Biennale d'Irlande, et quand j'expose à Londres, et quand j'expose aux États-Unis, c'est quelque chose qui est beaucoup plus, qui est beaucoup, beaucoup mieux reçu, et il y a beaucoup plus d'ouverture. Alors, je pense que j'ai répondu dans une partie de la question précédente, de ma réponse précédente. Je voudrais vous lire un poème. Alors, un épi, deux épis, trois épis, 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 un buisson, deux buissons. Trois buissons, 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 épique, bien tassé, mon buisson, bien tassé. Amas, entremêlés, les uns dans les autres, les uns sur les autres, doux, piquants, nonchalants et charnels. Frisés, ondulés,
Il brille comme le poil noir et réunit toute la palette colorée. En lui, la brillure a toujours été. Ama, que nous reste-t-il à faire? Le brosser dans le sens du poil? Et que cache-t-il? Ou que renferme-t-il? Et quiconque peut y pénétrer, seul lui l'aura décidé. Mon travail, je pense que tout travaux naît à partir d'une histoire ou d'une particulière, d'une histoire personnelle, d'une histoire plurielle. Par exemple, dans certains éléments de la nature, je retrouve ou je reconnais des formes qui me font penser à des formes humaines ou des formes masculines ou féminines. Et même en règle générale, pour moi, l'homme est relié à la nature, que ce soit la faune, la flore, la terre sur laquelle on marche, l'air par lequel on respire, l'univers. Je pense qu'il y a un monde invisible, un monde visible. Et dans ce monde visible, je suis une femme, je suis une femme noire, je suis une femme métissée, créole. Et je vis avec différents apports matriarcaux de par ma mère et de par mon père. Et je vis donc dans ce monde, dans ce pays, la France, qui est patriarcal, dans un monde d'hommes blancs. Et donc il faut composer avec tous ces éléments. Et donc à travers mon travail, je dis mon rapport au monde, avec tout ce que cela implique. Et il se passe des choses, et ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer, et est-ce qu'il y a des détournements, est-ce que j'en fais une force, est-ce que j'en fais une énergie. Donc déjà, quand on sort d'école d'art, c'est vrai qu'on ne nous dit pas forcément ce qui va se passer ensuite. On ne nous explique pas grand-chose, on n'a aucune relation, donc on doit se débrouiller dans la vie professionnelle. Ensuite, il faut se débrouiller. On est un peu comme ce schéma des bébés tortues donc qui sortent de la terre, qui vont rejoindre les eaux, et donc certains réussissent, d'autres non. C'est une réalité. C'est dommage pour certains, ou c'est dommage, je sais pas si c'est dommage. Ça, c'est aussi je pense qu'il manque certains paramètres. Enfin, il y a des. C'est vrai qu'il y a les instituts, enfin, la FRAC qui achète les œuvres d'art, mais. Il y a aussi les fondations, les collectionneurs privés, les collectionneurs anonymes. J'ai des pièces qui ont été acquises par des collectionneurs anonymes. Ils connaissent mon identité, ils connaissent mon travail. Moi, je ne sais pas qui ils sont. Je trouve que c'est dommage. Parce que si dans un CV, ce qui est intéressant aussi, c'est de dire où sont vus, où sont en fait, par qui sont acquis
les œuvres d'art, s'ils sont dans une fondation, s'ils sont acquis par un musée, etc. Il y a aussi l'histoire aussi, l'histoire de la France, son passé, quels étaient les critères à l'époque, aux différentes époques, quels sont les critères maintenant. Il y a aussi la prise de risque, est-ce que les institutions prennent des risques. Je sais que comme j'ai dit, quand j'expose à l'international, les questions que j'aborde sont beaucoup plus sont mieux reçues, et je sais, en discutant avec des amis, des connaissances, quand quelqu'un a du talent, quand quelqu'un est bon dans un domaine, par exemple aux États-Unis, on l'aide, on lui donne les moyens de réussir. Voilà. Et donc, comme j'ai dit, donc il y a les musées qui donnent à voir les œuvres d'art, les FRAC aussi donnent à voir les œuvres d'art, les galeries, etc. Mais il y a aussi Internet qui peut aussi donner à voir les œuvres d'art des artistes, des artistes hommes, des artistes femmes, les réseaux sociaux qui donnent une certaine liberté et qui donnent un public d'Internet aussi. Et voilà, et moi je suis convaincue que si par exemple tu as quelque chose à dire et qu'il ne veut pas être entendu quelque part, il sera entendu ailleurs, et qu'au final, ta voix sera entendue. C'est vrai que quand je vais voir les expositions en musée, je me rends compte qu'il y a, c'est vrai, une part de masculin qui est beaucoup plus présent que la part féminine. Après, ça dépend des expositions. Quand, par exemple, ce sont des expositions qui sont centrées sur les artistes, artistes femmes, comme elle au Centre Pompidou, il me semble que c'était entre 2009 et 2011. Et là, ils ont montré des artistes femmes très très intéressantes, comme Marina Abramović, Mona Hatoum, Agnès Varda. Pour moi, le fait de répondre à cette question me pousserait à vouloir me justifier, même si pour moi, j'ai pas besoin de me justifier. Pour moi, c'est quelque chose de tout à fait normal. Donc dans ma famille, la place de la femme est très importante. Elle a un rôle dans la famille et dans la société. Grâce à l'héritage, grâce à la culture que m'a léguée ma mère, qui est antillaise guadeloupéenne, et grâce donc à la culture matriarcale que m'a léguée mon père, qui vient de Côte d'Ivoire, qui est d'ethnie Annie, qui est un groupe à Caen, qui est un groupe à Chanty du Ghana. Et dans cette institution, le rôle de la femme est très important. Elle prend des décisions dans la société. L'héritage se lègue du côté de la femme. Et par exemple, la reine choisit son roi. Donc, je vis aussi donc avec l'apport de la société patriarcale française. Donc je vis avec tout ceci. Et donc oui, je suis féministe. Comme je dis, c'est quelque chose de tout à fait normal. C'est comme boire un verre d'eau ou respirer.
Après, il y a différentes sortes de féminisme. Il y a un féminisme européen, un féminisme des femmes africaines, un féminisme des femmes européennes, un féministe des femmes africaines, un féminisme des femmes américaines, avec par exemple Angela Davis. Il y a donc les suffragettes, donc un féminisme d'antan, un féminisme donc avec aussi en France Olympe de Gouges. Il y a un féminisme beaucoup plus actuel. Beaucoup plus actuel et d'autres formes de féminisme dans lesquelles je ne me reconnais pas forcément. Par exemple, c'est apparu dans Le Monde, c'est la tribune des 100 femmes qui ont écrit et qui ont signé. Il me semble qu'il y avait Catherine Deneuve et d'autres personnes et qui défendaient une liberté d'importuner. Après, c'est vrai qu'il y a aussi, avec tous les mouvements comme Balance ton porc ou MeToo, c'est quelque chose, enfin j'ai l'impression que c'est quelque chose comme ça qui arrive sur un point sur la table. Voilà. Après, moi, oui, je suis féministe. Mais je suis humaniste et j'aime ce qui est juste.